Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro des Jeux sont faits. Lors du dernier épisode, nous avions tiré au hasard le sujet dont nous parlerons aujourd'hui, à savoir l'énigme. Cette démission sera divisée en quatre parties qui seront diffusées chacune une fois par semaine. Trois jeux vont vous être présentés un à un au cours des trois premières parties et nous ferons une conclusion sous forme de débat et de petits quiz dans la dernière partie que vous pourrez entendre donc dans 4 semaines. Bonne écoute à tous, place à l'émission. Donc, bienvenue dans ce nouveau numéro, en compagnie donc de Noé. Bonjour. Salut Noé. Salut. De Clément. Bonjour à tous. Et Pierre. Bonjour aussi. Et moi-même, Erwan. Alors, le thème que nous avons tiré au sort la fois dernière, pour ceux qui nous écoutaient, vous le savez, c'est l'énigme. On va traiter d'énigmes, jeux vidéo bien sûr, et énigmes ou quand le jeu vidéo cherche à être le sphinx de la fable. Attends. C'est excellent, très énigmatique. Donc, petite introduction rapide, les énigmes, les mystères, problèmes, devinettes, et autres charades sont tout de même légion dans le monde du jeu vidéo. Sont-ils cantonnés à un genre? Personnellement, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un genre, puisque beaucoup de genres, justement, de jeux impliquent de l'énigme, incluent de l'énigme dans son gameplay, dans son level design, dans sa narration, parfois dans plusieurs de ses éléments. L'énigme est contextualisée, souvent l'énigme est mise en scène d'une manière ou d'une autre. La nature même de l'énigme peut varier. Que ce soit l'énigme qu'on peut retrouver dans un jeu d'aventure où bien évidemment elle a grand place, surtout quand on va vers le point and click ou des jeux de ce type-là. Mais on en trouve aussi souvent dans des survival, on en trouve dans parfois du jeu d'action. Des platformers sont liés à l'énigme, il y a énormément de choses, j'en passe. On va justement commencer à présenter un premier jeu qui va nous être proposé par Pierre. Donc je te passe la parole, Pierre, tu peux y aller. Mais du coup, on va faire le petit quiz cérémonial avec nos participants. Alors, quiz nous. Quiz. Diante. Ah. Image number one. Alors, c'est un jeu Mon Petit Poney. Pierre, qu'est-ce que t'en penses, Mon Petit Poney? Alors, je vais pas faire... Ah, je me suis trompé. Est-ce que c'est... Alors, Mon Petit Poney, c'est pas trop mal, Mon Petit Poney. Alors, c'est pas une image du jeu même, effectivement. Ça pourrait être un artwork du jeu. On en avait discuté. Les images qu'on propose en quiz, c'est pas forcément des images du jeu même. Ça peut être des artworks, des éléments autour, même des choses associées qui peuvent nous amener à l'idée de ce jeu-là. Voilà, on a le droit de feinter un petit peu. Ouais. C'est le cas. Ouais. Mais c'est quand même très en lien. Et il y a une raison. C'est graphiquement joli. Ouais, c'est super beau. Est-ce que c'est... Moi, ça me dit rien pour l'instant, mais ça donne une piste, quoi. Peut-être qu'on peut passer à... Passons... Allons-y pour la suite. Pour faire le lien, tu vois. La seconde. Putain, c'est cool, hein. Ah. Ah, Clément commence à goupiller. Clément goupille pas grand-chose. Du coup, c'est plutôt récent. Alors, c'est récent, ouais, ouais. Ok, ça c'est une image du jeu. Alors ce sont encore pas des images du jeu. D'accord. Mais on peut dire que les deux images ont un rapport entre elles. Oui, totalement. Parce que ça pourrait être le même illustrateur, ouais. Voilà. C'est le même illustrateur. Ça évoque les univers très colorés qu'on trouve dans Proteus, par exemple. Alors non. Passe à la troisième, ouais, nous. Oui, on va enchaîner. Je t'en prie. Hop, presse le pas. Ah, alors, on ça n'a rien à voir, ça. Tour de Babel. Alors, attendez, une tour de Babel. C'est toujours pas une image du jeu, mais alors là, quasi, c'est totalement indicatif. D'accord. Alors, moi, je dirais que c'est une sorte de point and click, mais après, on verra. Est-ce que c'est le jeu récent dont j'ai oublié le titre, qui est fondé sur le triomphe de Penrose et sur les illusions d'optique, mais c'est un jeu, c'est un... Non. C'est un jeu. Je vois pas ce que c'est, mais non, a priori, non. Ok. Moi, ça me dit rien. Est-ce que c'est un jeu qui est lié aux effets de lumière? Non, pas tellement, pas non tellement. Non plus. Mais enfin, par contre, il y a de la modification, il y a quelque chose d'élémental un peu, ouais. Est-ce que tu joues avec de la peinture et ou de... Alors voilà, on pourrait
pour, c'est pas tout à fait ça, mais il y a cette idée-là. Voilà, il y a une, on joue avec des éléments, de la matière, des formes premières, etc. Il y a ce genre de choses. Puis on le voit là d'ailleurs, il y a de la pyramide, il y a du dodécaèdre, enfin, c'en est pas un, mais ouais. Voilà, bon, bref. Alors, vas-y, passe à l'image suivante parce qu'on a visiblement pas trouvé encore. Bon, ça, c'est une image du jeu même. Moi, ça me dit rien. Alors, je pense que vous connaissez pas le jeu parce que ouais, vous auriez peut-être probablement percuté à ce moment-là, mais il est. Non, ça me dit rien. J'en présente une suivante. Hop. Ça sera pas, ça, ça vous donnera sans doute pas plus. C'est pas plus indiqué. Donc ça c'est des images de du jeu. Du jeu. Ça c'est des images, ça c'est une d'accord. Image. D'accord. Et du coup les images avant c'était des artworks ou des choses comme ça. Du créateur qui est graphiste, d'accord, qui est illustrateur et qui est game designer. Ok. Très bien. Ok. On peut peut-être passer au jeu du coup. Ben, alors il y a une dernière image. Une dernière image. Une sorte de réponse peut-être. C'est non. Une image du jeu, mais okay. Ça c'est voilà une image. Ça a l'air joli en tout cas. Je suis bien impatient de découvrir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le lance ton lance, jeu lance donc. Bon, on le lance et tu vas juste dire du coup le nom. Voilà, je commence juste un petit peu à donner les informations de base et puis Noé prendra la suite en nous disant ce qu'il en sent. C'est Noé donc qui va y jouer, qui ne connaît pas le jeu. À la molette, à la souris. Donc bon, le jeu s'appelle Windows Hill. On peut le jouer en ligne directement sur internet avec une version qui n'est pas complète ou le télécharger. Et c'est une création PC, Mac, Linux, je crois même qu'il y a une version tablette. C'est un jeu d'un monsieur qui s'appelle Patrick Smith. Il en a fait plusieurs dans le même goût. Alors ça c'est pas... ouais, tout ça t'auras pas besoin de toucher. Bon. Et c'est sorti en 2009. D'accord. Ok, donc là... T'es dans le je jeu. Suis déjà dans le jeu. T'es dans le jeu. En fait, tu lances le jeu, t'es directement sur c'est le premier, écran. Voilà, t'es au premier tableau. Donc déjà, énigme. Déjà, où est Mario? Où est... Je ne comprends rien. donc là, on va comment essayer on de joue cliquer. En petite fenêtre, en plus. Il se passe des choses. Alors. Alors donc, Noé... Ah. Ok, et si je cliquais directement là bon, tu peux, oui, si tu peux. Laisse appuyer sur les petits fantômes. Putain. Noé, je te propose de t'expliquer un petit peu ce que tu ressens, ce que tu as l'impression de voir. Là, pour l'instant, ça fait plutôt tableau interactif. Pour l'instant, il n'y a pas de scénario, donc on n'a pas eu vous êtes machin, sortez de cette pièce ou. Donc là, ça fait vraiment tableau interactif. Ah bah alors la notion de tableau, tu constateras par la suite, effectivement, elle est prépondérante, elle est essentielle dans ce jeu. Oui. Et donc on va allumer la lumière. Et donc on a toute une série d'éléments qu'on peut déplacer. Alors je disais juste avant que le jeu s'appelle Windows Hill. Donc Windows, c'est une fenêtre. Et c'est pour ça. Effectivement, tu noteras que tout est fenêtré, tout est en tableau comme ça. Tu vas le constater. Ok, donc là, il y a peut-être une porte. Là, il y a peut-être ce véhicule. Cette case-là est un peu plus lumineuse. Du coup, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Hop. Ah. Bon, on va dire, j'imagine qu'on doit... Alors, au besoin... Passer par cette porte. Ouais, bien joué, mon petit... Au besoin, alors, Noé, tu pourras là, me déjà, demander si tu... Je le vois. Ah. Je l'ai vu venir. Alors, ouais, tu peux sortir, mais si tu sors, tu ouais, profites pas de la pièce. On va regarder un peu les autres trucs. Teste un peu tout, c'est-à-dire que c'est pas à moi de te dire, mais il n'y a pas que la pression, essaye de tirer, essaye de. Je crois que c'est un jeu qui a été fait sur tablette et donc tu peux. Ouais, ça marche avec c'est un. C'est hyper agréable en tout cas, hein. Ça marche vraiment bien. Tu peux voilà, laisser appuyer, tu peux tirer des machins et relâcher, tu peux. C'est assez contemplatif en fait. Alors oui, c'est très graphique, c'est très... Très ludique. Très ludique, oui. Très enfantin, peut-être aussi. Mm. Beaucoup d'animes procédurales, comme ça, donc... Bah, tu parles d'enfantin, il y a un côté chambre d'enfant. Mm. Mais oui, là, totalement, ouais, avec c'est cette petite... C'est une curiosité, un peu. Et puis, bon, je pense que personne ne dira le contraire, il y a un potentiel surréaliste aussi. Il apparaît plus après. Mm. Bon, on va peut-être se balader dans l'autre pièce. Alors, donc là, on a un tableau qui est complètement différent du précédent, à première vue. Donc là, je pense que c'est ça. Le titre.
Tirer, yes. Cool. On peut beaucoup tirer, ouais, dans on peut beaucoup arracher, pousser. Ça doit être plus agréable sur tablette, je pense. Ouais, on sent qu'il a été fait pour être sur tablette. Ah, c'est vrai. Eh ben, au départ, je crois pas. Hein, mais ah ouais, mais ah ouais, effectivement, j'ai vu qu'il y avait une version tablette. Cool, cette idée. Donc voilà, Windows Hill, vous avez l'écran titre. Ben, tout est diégétique dans ce jeu. Il n'y a pas de... Comme on va le constater, il n'y a pas de texte. C'est absolument pas verbalisé. C'est... À part le fait que là, on voit le titre. C'est la seule entorse. Et donc, comme vous disiez, c'est très graphique, très contemplatif. Et oh, bien joué. Alors, le carré a l'air d'être l'élément récurrent du jeu. C'est la clé. La clé de l'énigme. Tout à fait. Alors, est-ce que je parle un petit peu du jeu ou ce que j'ai à en dire. Bon, alors, je n'ai pas tellement d'informations vraiment factuelles parce que c'est un jeu qui a... D'une part, qui a eu un certain succès critique, qui a été discuté. D'autre part, qui n'a pas été tellement débattu par le créateur, par d'autres choses. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Donc, c'est plus de l'interprétation que je vous propose. Hein. Donc, je crois que c'est un jeu qui a quand même plutôt une création qui a bien fait parler d'elle, au moins chez une certaine frange des joueurs. Pour le côté, ben, on le voit, un peu arty, un peu pub, un peu original, aussi léger. Sans doute beaucoup moins auprès du grand public. Même si c'est le genre de petit jeu qui se faufile bien partout, voilà, sur tablette, sur iPhone, ça pourrait être un jeu casual à la mode, ça on peut imaginer, comme un Candy Crush, un petit jeu de rafraîchissement, même si voilà, le truc c'est que c'est un jeu surréaliste, qui est, voilà, ou onirique, mais c'est sûrement moins vendeur qu'un truc fantastique avec du blabla ou très figuratif. Donc voilà, c'est peut-être pas le genre de jeu qui peut avoir une grande représentation publique comme ça. Et son créateur le disait, voilà, il l'a proposé en vente à 3$. Moi, la première fois que je l'avais joué, c'était gratos. Mais 3$, ça lui semblait un prix qui n'effraierait personne. Et voilà, il n'avait pas tellement idée de ce que ça pouvait lever comme public. Je pense que ça n'a pas dû non plus bouger, voilà, faire un grand mouvement, un grand bruit. Donc, ben, c'est un jeu qui rabote l'énigme au plus simple, puisque c'est de la connexion d'éléments, de la fabrication de sens comme ça, un peu à tâtons. C'est tactile, c'est sensoriel, c'est très fortement visuel, épuré, voilà, vecto, et surtout sonore. Il y a un bel habillage qui est très direct. Comme... Il a tout fait, le créateur Patrick Smith, il est programmeur, il est graphiste, etc. Sauf les bruitages, c'est des bruitages gratuits sur une banque de données, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire ? Voilà, par exemple, on va voir après, il y a des balles volantes qui font le bruit d'un essaim abeille. Donc voilà, le sens se crée par association, comme ça. C'est vraiment un pur jeu de connexion et de reconnexion. Alors voilà, on peut dire surréaliste parce qu'on peut difficilement expliquer le plaisir dans ce jeu, sinon par la pure création de sens, comme ça. Là, Noé, tu m'as l'air un peu paumé. Je suis un peu paumé, carrément. Et là, c'est pas si simple, parce que là... Alors, on peut vraiment rester longtemps sur des tableaux. Ouais. Il y a une animation, moi, je trouve incroyable, l'animation de la tête de l'oiseau, parce que c'est pas de la 3D, hein, c'est du flash, c'est de la déformation, d'ellipse. C'est pas de l'ellipsoïdale, parce que c'est pas de la 3D ellipsoïdale. Le caillou, là, il est... Laisse-moi réfléchir, je me souviens plus. Tu as soulevé les nuages ? Ouais, mais ils font que des gouttes d'eau. Alors, et dans l'eau, tire dans l'eau, tape dans l'eau. Oh. Je crois que dans l'eau, tu peux faire... Voilà, tu tires dans l'eau et tu fais sortir le petit, voilà. Un petit vibrateur que je peux donner à manger à l'oiseau, mais bien sûr. Et le coucou, tu le fais sortir. Voilà, c'est des éléments assez enfantins, enfin, ou en tout cas des éléments d'habillage, comme le coucou. Il y a de la peinture, évidemment, c'est déjà parce que c'est des tableaux. Alors, des tableaux de jeux vidéo, comme dans c'est une définition antique du jeu, le jeu par tableau, comme ça, à la Pac-Man ou à la Pong, par exemple, mais aussi du tableau de peinture. Et bon, ben, moi, je vois du Magritte, clairement, là-dedans, puisque, bon, pour le surréalisme, on va avoir des pipes aussi, pour tout un... Et puis, des choix de couleurs, du Miro. Mais, allez, pour les choix des bleus, en fait, vraiment, moi, je pense à Magritte, mais... Donc ça se joue en, voilà, que c'est ce que Noé fait depuis le début, parfois en tirant, parfois en laissant appuyer, parfois en déviant la souris. Ça me fait penser un peu aussi à des bouquins pour enfants, tu sais, tu ouvres les pages, il y a des pop-up, des petits trucs à tirer, des matières, enfin c'est vraiment... C'est tout un fait, un jeu, il y a de l'enfantin là-dedans, mais il y a aussi quelque chose de très, très adulte et très, très riche. Donc voilà, on trouve des pipes, des nuages, qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus ? Il y a quelque chose, oui, de Pac-Man, de puzzle, de Bubble Bobble, de Dig Dug, le jeu tableau. Il y a quelque chose de Lemmings aussi.
c'est-à-dire un tableau, des éléments, des moyens qui sont disséminés par-ci et par-là dans l'espace, et une porte de sortie à atteindre finalement. Donc c'est très casanier au final, il faut se passer d'une pièce à l'autre. Le jeu est long ? Ouais, bonne question. On peut le terminer en allant vite, vraiment vite, c'est-à-dire en 5 minutes, 10 minutes. Après, je pense qu'on peut y passer une heure peut-être. D'accord. C'est pas plus long que ça, une heure, deux heures, même en bloquant, je crois qu'une heure, deux heures. Ouais. Donc voilà, mais le sens s'accroche un peu partout voilà, dans ce jeu exactement. C'est malin, c'est un jeu malin. Ah ben oui, voilà, on peut dire ça, c'est un jeu d'association comme ça, informel. C'est vraiment. Et ce qui est assez magique, c'est qu'au niveau résolution d'énigmes. Il n'y a pas d'énigme véritablement, mais on la résout en comprenant l'énigme au moment où on la résout. C'est-à-dire que le moment de résolution et le moment de compréhension de l'énigme ou de la définition de l'énigme, il n'y en a pas tellement de définition d'ailleurs, ça se fait en même temps que. Oui, c'est là, tu as compris, il faut. Pouf. Tout se fait en même temps, il y a une instantanéité, il y a un moment présent très fort, magique. Il y avait un élément, là c'est intéressant parce qu'il y avait un élément d'exécution, c'est-à-dire qu'il y avait un timing à choper. Oui, oui, il y a des trucs qui, il y a des vraies associations, il y a des vrais moments, il y a des vraies choses. Même parfois. Au-delà, là, il y avait besoin, un peu de skill, quoi. Il y a un élément d'exé, quoi. Allez, c'est pas du jeu de gamer non plus, hein, mais on s'entend. Mais... C'est intéressant parce qu'on ne s'attend pas à être obligé de faire une action comme ça, une action. Voilà, par contre, c'est ça. Il a mis le doigt sur le fait qu'on va chercher d'autres faces à chaque écran. Une autre approche, là c'est effectivement du passage en boucle de tous les petits carrés, en gros, de cette surface. Oh, ouais, il y a plusieurs approches, il y en a des très simples, il y en a où il faut effectivement être dans le bon timing. Le sens s'accroche partout, même l'écran titre est jouable. Et puis bon, il y a cet héritage du point and click un peu absurde à la LucasArts, ou quelque chose de l'ASF, c'est-à-dire que tous les objets ont un autre sens quoi, que celui qu'on pourrait leur attribuer classiquement. Du surréalisme, tout simplement. Mais un surréalisme porteur de sens. Donc, moi, j'ai choisi ce jeu. J'aime bien parce qu'on épure l'idée d'énigme, vraiment à l'essentiel. C'est une esthétique tranchée aussi. Voilà, bon, c'est un illustrateur. Et Patrick Smith a fait... On peut aller voir sur son site, c'est tout simple. Il a fait beaucoup de jeux dans le même ton. Du jeu de balade, du jeu de... Avec quelque chose de... Ah. Alors voilà, donc là c'est la version d'essai, et en fait on ne peut pas aller plus loin que ça, visiblement. D'accord. Après il faut acheter le reste du jeu. Donc, qui est disponible sur le site. Qui est disponible et qui est maintenant, je crois, à 3$. Donc, Elles ne sont pas plus séparées les éléments, t'as vu ? Oui. Ouais. Bon, c'est pas de la replay value tant que ça non plus. Il y a des petits devant derrière, là, la langue qui passe devant l'herbe, des petites choses comme ça. Mm-mm. Bon, mais je vais conclure vite fait. Mais voilà, je vais te dire. Bon, de toute façon, on a un bon aperçu du jeu et on peut pas aller plus loin. Mais c'est aussi bien, ça peut amener à vouloir le découvrir. Et est-ce que du coup, il y a combien de tableaux ? Tu sais combien de tableaux ? Parce que là, on en a fait combien ? Je sais 4 pas. Je dirais que de mémoire, ça doit être 35, quelque chose comme ça, bien, peut-être. Mais voilà. Bon, alors du coup, pour terminer mes affaires, je trouve que c'est pas tout à fait comme dans un livre, mais parce qu'on ne crée pas le sens. Comme dans un livre où on se figure les images, il y a plein de choses qu'on se fait soi-même, mais quand même on recrée tout ce que propose Patrick Smith. C'est vraiment une balade dans l'idée. Et puis bon, moi ça me fait penser à La Pierre de Rosette, où il y a un bouquin qui est le Codex Serafinus, c'est-à-dire c'est un livre où, dans une langue imaginaire, qui n'a jamais été déchiffrée mais qui fonctionne vraiment, avec des peuples imaginaires, un livre d'ethnographie comme ça, un peu fantasque. Et ou alors on peut penser à de la science-fiction de Mobius, peut-être, ou à Adibou, des jeux d'assemblage de cubes, quelque chose de très premier, voilà. Et l'absence de verbe n'y est pas pour rien. Donc, le côté enfantin, c'est aussi la petite voiture de bois, bien sûr. Tu peux revenir en arrière dans les salles visite. Je crois bien, ouais. Il y a vraiment un côté comme ça, promenade, très agréable, très, très relaxant, en fait. Et bien, peut-être le fait aussi qu'il y ait peu de son. Il n'y a pas de gravité, tu vois. En fait, il y a un poids quand même, il y a une physique. Ouais, par contre, la physique est brillante. Non, de gravité, il n'y a pas de dureté. Enfin, il n'y a pas de... Voilà, c'est très doux. Parler d'un livre pop-up qu'un enfant peut balader d'une page à l'autre et revenir sur celle qu'il aime bien aussi. Oui. Moi, je trouve ça vraiment propre aussi. Enfin, il n'y a pas de... T'es jamais perturbé par des problèmes c'est doux, de flash mais... ou... C'est doux, mais c'est très tranché, très exact. Ouais, c'est effectivement, Alors moi, j'ai une question. Est-ce que le jeu se renouvelle ? Oui, chaque tableau propose des trucs différents, des idées de jeu. Enfin, en tout cas, des approches différentes pour ouvrir la porte. On s'ennuie pas au bout d'un moment ?
Ben non, pas du tout. D'accord. Non, non, c'est court, hein, de toute façon, 35 tableaux avec chaque fois des idées et une... Peut-être qu'il y a un sens plastique, il faut être sensible à l'esthétique aussi, mais non, non, on ne s'ennuie pas du tout. Et alors bon, pour terminer, voilà, ce que je trouve génial, c'est qu'on découvre l'idée en même temps qu'on découvre l'énigme en même temps qu'on va la résoudre. Donc c'est une immédiateté comme ça qu'il y a quelque chose de vrai. C'est une sorte de racine de l'énigme avant même qu'elle ait poussé. Et on est vraiment à l'origine de ce moment-là, du sens dans l'interaction. C'est sans queue ni tête, mais c'est quand même, il y a une logique qui n'est pas totalement encore enfermée dans du sens, dans un sens clair. Mais voilà, il y a à la fois cette pureté de l'image et ce flou, cette absence de définition. Voilà, il y a du secret, on est très dans l'instant. Et voilà, même résolu, ça reste, même quand on résout, ça reste mystérieux et énigmatique. Donc c'est voilà, le plancher du concept d'énigme. Alors ça me semblait pas mal comme apéro en ouverture, en premier jeu. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de ça, on va peut-être marquer un arrêt. On va arrêter donc avec Windows Hill, que tu nous as présenté, Pierre. Pour nos spectateurs, on vous dit à la semaine prochaine pour le jeu suivant, toujours autour de l'énigme. Bonsoir à tous. Ciao. Ciao. Salut.